Salut à tous! Je suis comme une dingue. J'ai reçu mon colis ce matin. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous regardez en replay. Donc n'hésitez pas à écrire hashtag replay. Salut, salut! Oh, bah. Oh, Jenny, tu casses tout. Qui va être connecté? Salut Pauline, salut Edwige! Ça va les poulettes? Je partage mon petit live comme d'habitude. N'hésitez pas à faire de même, ça m'aide énormément et je vous remercie par avance. Coucou Nathalie, coucou Marilyn, salut Laura. Comment ça va les filles? Salut Amandine, salut Laetitia. Oh, merci beaucoup. Coucou Josie, bah, ça va bien. Aujourd'hui, j'ai mis la palette numéro 4. Je vais vous montrer. Je partage juste mon live. Et je vous montre tout de suite ce que j'ai fait. Et après, on parle des nouveaux fonds de teint. Salut Marie! Salut Mylène! Salut Nadège! Coucou petite Zaza, Gwendoline! Marie Bernadette, vous allez bien? Coucou, je suis une nouvelle présentatrice et j'adore tes vidéos. Oh, Melinda, c'est adorable! Merci beaucoup! Coucou Nani! Coucou Cindy, Sandra! Ça va? Vous avez la forme? Alors, je mets le lien de mon site en commentaire, comme ça les personnes qui veulent acheter, vous l'avez en commentaire. Je vous le mets, parce que souvent on me le demande. Voilà. Est-ce que je vais pouvoir l'épingler aujourd'hui? Est-ce que je vais pouvoir l'épingler? En ce moment, Facebook, non, il ne veut toujours pas. Ah yeah, c'est bon. Épinglé, j'ai réussi! Alléluia! Ça va? Alors, tac. Tac. Je fais mes petites invitations parce qu'il y a des clientes qui me demandent. J'ai l'intention de ne pas inviter des présentatrices. Ça va? Voilà, n'hésitez pas à inviter, hein. Vous savez qu'on peut inviter les amis à regarder la vidéo. Donc n'hésitez pas. Bon, allez. Tac, c'est bon. Alors, oui, en forme avec ce beau temps. Bah, je pense que tu as beaucoup de chance parce que alors moi aujourd'hui, c'est une catastrophe. Il a plu toute la nuit, il fait pas beau du tout. Coucou Marilyn, salut Nadège. Non, je ne suis pas maquillée, Mylène. Tu n'as pas de bons yeux. Tu vois juste mes yeux qui sont maquillés, mais le reste n'est pas maquillé. Donc j'ai une très bonne nouvelle. Coucou Ninou, coucou Cynthia. Bon, alors déjà, bienvenue aux nouvelles. Alors aux nouvelles présentatrices, aux nouvelles personnes qui me suivent. N'hésitez pas à écrire hashtag nouvelle, comme ça je sais qui est nouvelle. Donc bienvenue à vous. Merci beaucoup de me suivre. Et hashtag replay pour les personnes qui regardent en replay. Bon, les filles, je ne vais pas faire longtemps durer le suspense. J'ai commandé toutes les nouvelles poudres. Vous savez que là, on a lancé, il y a 2 jours, nos nouvelles poudres tant attendues. C'est-à-dire que vous en avez 2 sortes. Vous avez les poudres libres. Donc, c'est celle-ci. Poudre libre, ça, c'est la nouveauté, les filles. Donc, qui est, bah, comme son nom l'indique, en libre, voilà, donc je vais vous montrer comment ça fonctionne puisque j'en ai reçu 2 ce matin. Donc c'est avec un petit, comment ça s'appelle? Un petit, alors attendez, un petit tamis, voilà, pour pas en foutre partout, c'est super bien fait, je vais vous montrer comment elles sont faites. Pour celles qui avaient ceux de l'année dernière, elles sont complètement différentes. Moi je préfère le packaging d'aujourd'hui, il est vraiment magnifique, je vais vous montrer tout ça. Là, la poudre libre, c'est fait pour avoir un teint naturel. Et c'est vous qui dosez en fait. C'est-à-dire que vous pouvez faire quelque chose de très naturel comme quelque chose de plus couvrant. C'est ça qui est génial. Celui-là, il est vraiment bien adapté pour l'été parce qu'on ne le sent pas sur la peau. Et vraiment, il laisse la peau respirer. Il est vraiment génial. Et ensuite, on a un nouveau produit aussi qui est sorti. C'est la poudre compacte. Donc là, c'est un produit qui est vraiment compact avec une petite éponge. Et là, c'est beaucoup plus couvrant. Et c'est génial pour les retouches. Voilà, donc vous avez la poudre compacte et vous retouchez en cours de journée. C'est très très bien aussi pour les peaux mixtes à grasse qui brillent en cours de journée pour retoucher.
Alors, bah, tu peux redémarrer, Maude, c'est peut-être ça le problème. Mais je t'en prie, Ninou, ça fait plaisir. Coucou Nanda, coucou Alex, coucou Macaro, bienvenue Cynthia, coucou Romy. Donc, je vous montre. Donc, j'ai bien évidemment commandé toutes les couleurs en poudre lide et poudre compacte. Parce que vous savez qu'avec Unique, lorsqu'on travaille chez Unique, du coup, on a du maquillage gratuit. Donc, du coup, j'ai pu tout prendre des couleurs. Mais j'ai dû refaire une commande en express pour une cliente. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commandé en plus deux fonds de teint poudre lip pour les avoir aujourd'hui. Comme j'avais une commande à faire en express, du coup, j'ai greffé et j'ai pris deux couleurs du nouveau fond de teint poudre libre et les autres vont arriver en différé. Coucou Vanessa, coucou Marine, coucou Nathalie. Salut ma petite mam. Merci beaucoup pour vos commandes les filles. Alors, donc j'ai reçu. Alors, j'avais pris deux couleurs parce qu'au niveau couleur, je ne sais pas ce que ça donnait. Donc, j'avais pris Poplin et Jacquard. Je les ai pris pour pouvoir vous montrer ce que ça donne. Coucou Emily. Donc, déjà, je vous montre le produit, donc la boîte. Donc, ça, c'est Poplin. Donc, ça, c'est la boîte. Hop, voilà. Et regardez comme c'est magnifique le packaging. Il est vraiment rien à voir avec la poudre de l'année dernière. Regardez comment c'est beau, quoi. Oh, je trouve que le packaging est vraiment magnifique. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Coucou, ma Jenny, trop cool de te voir en direct des studios. Bah oui, tu peux se dire. Salut les studios. Bisous, ma petite mam. Coucou, Sandrine. Non mais regardez, franchement, le packaging, il est. Bon, enfin, moi, je sais que c'est important quand même. Quand on achète un produit, c'est important d'avoir une belle boîte. Enfin, pour moi, c'est important. Donc regardez comme c'est beau. C'est vraiment beau, quoi. Unique. Donc bien évidemment en reflet. Et c'est. Ça fait comme un sticker, mais ça part pas, quoi. C'est trop bien. J'adore. C'est beau, hein? Donc je vous montre l'intérieur parce que c'est quand même ça qui est intéressant. Mat et brillant, c'est exactement. Du coup, ça ressort super bien. Coucou Macaro. Donc je vous ouvre. Donc vraiment, pour celles qui avaient celles de l'année dernière, ça n'a rien à voir. Je vous montre hein, le packaging de l'année dernière. Vous voyez? Je vous montre quand même parce que ça n'a rien à voir. Comme d'hab, c'est aussi beau à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'est tout à fait ça. Donc ça, c'est celle de l'année dernière. Donc ça, c'est velours que j'avais. Et ça, c'est celle de cette année. Il n'y a pas photo. Bon, là, elle est vieille, hein. C'est un peu normal. C'est beaucoup plus joli, je trouve. Plus classe. On ouvre l'intérieur. Donc, je vous montre. Regardez l'intérieur, les filles. Il y a un petit tamis. Enfin, une petite protection sur le tamis. Chose qu'il n'y avait pas l'année dernière. Donc, je vous montre. Ça, c'est la nouvelle. Donc, on ouvre comme ceci. Et vous avez le tamis à l'intérieur. Donc, qui est beaucoup plus fin. Vraiment, beaucoup plus fin, rien à voir. Voilà, on referme. Et regardez celui de l'année dernière pour vous montrer celui qu'il n'y avait pas. Regardez celui de l'année dernière, ça n'avait rien à voir. Donc ça, c'est celui de l'année dernière, ça c'est le nouveau, les filles. Donc, ce qui est génial, c'est qu'il y a une protection et on l'ouvre comme ceci. Attendez que je ne fasse pas de bêtises, que j'en foute pas partout comme il est tout neuf. Et voilà, vous voyez? Donc rien à voir. Je pense que c'est beaucoup plus facile à appliquer. Ça, c'est l'ancien, ça c'est le nouveau. Donc le tamis est beaucoup plus fin, c'est vraiment génial. En termes de couleurs, les filles, alors ce que je vais faire, c'est que attendez, je vais sortir mon taffeta de l'année dernière. Je reviens tout de suite pour vous montrer comme vous connaissez. Alors, mon taffeta de l'année dernière, il est là. Comme ça, on va pouvoir regarder les couleurs ensemble. Donc, hop, je suis revenue. Encore mieux pour doser, c'est génial, ouais. Coucou, je galère à te voir, maintenant c'est bon. Ah. Coucou Mélanie. Ouais, ça claque, hein. Coucou Virginie, coucou Julie. Donc, ce qu'on va faire, les filles, donc là, c'est la couleur Poplin. Poplin. Alors, je vais regarder à quoi il ressemble par rapport à l'année dernière, le fond de teint. Ça, c'est taffeta. Et ça, c'est velours. Ouais, je trouve qu'il ressemble un peu plus à velours, on va dire. Je vais regarder. Alors, attendez, je regarde. Tac. C'est pas facile en termes de couleur. Ah non, il est même plus clair que velours. Alors, le Poplin, pour vous donner une idée, il est quand même plus clair que le velours. Il est légèrement plus clair, le Poplin, par rapport aux poudres libres de l'année dernière. Vraiment. Et je vais vous montrer le Jacquard. Coucou Marina, ça va ma belle?
Regarde ce que j'ai reçu. Et ça, c'est le jacquard. Jacquard, jacquard. Donc, c'est honnêtement, c'est celui qu'on a tout pris pour celle qui portait taffeta. Mais je pense qu'il est un tout petit peu plus foncé. Alors après, je me dis que c'est peut-être pas plus mal. Je sais que j'ai beaucoup de clientes qui ont pris le jacquard pour celles qui prenaient taffeta en fond de teint. Et beaucoup de mes clientes qui ont pris peau plein pour celles qui prenaient velours. C'est pour ça que j'ai pris ces deux-là. Après, Marie, moi je trouve que le peau plein, il est un tout petit peu plus clair que le velours en poudre libre. Mais par contre, c'est l'équivalent du velours en liquide. Donc ça, il n'y a pas de souci. Coucou Christine, coucou Sandrine. Et ouais, le nouveau modèle est génial. Et le jacquard, je pense qu'il est un tout petit peu plus foncé que le taffeta en liquide. Mais par contre, celle qui prenait le taffeta en poudre libre, je pense que c'est exactement la même chose. Donc je vérifie quand même. Je vais... Voilà, je me mets un petit peu, parce que c'est pas facile. Bah, c'est à peu près pareil, franchement. C'est à peu près pareil. Donc, les filles, pour celles qui ont commandé jacquard, pour la couleur taffeta, je pense que ça devrait aller. C'est un tout petit ton légèrement plus foncé. Mais comme c'est un fond de teint pour l'hiver, honnêtement, je pense que ça va bien aller. Honnêtement. Pour celles qui ont pris le pot plein pour velours, franchement, c'est top. J'ai pris le fond de teint compact pot plein. Ouais, 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 c'est bon, Marie. De toute façon, les filles, en toute honnêteté, si vraiment la couleur ça ne va pas du tout avec votre peau, vous savez qu'au mois de mai, il y a la garantie pour les couleurs avec Unique. Donc, vous envoyez tout de suite un message à support par Messenger si la couleur vraiment ne vous convient pas, et ils vont vous le changer. Ils vont vous renvoyer votre fond de teint de la couleur que vous souhaitez. Tout ça gratuitement. Donc, c'est top. Bien pour ma réunion du 26, oui. Christine, tu fais une réunion avec qui? Donc, c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Donc, voilà. Moi, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais mettre le jacquard, les filles. Je vais mettre le jacquard. J'ai pris un peu de couleur. Parce que le pot plein, il va être un peu trop clair, je pense. Donc, on va le mettre ensemble. Alors que je ne me trompe pas de boîte. En même temps, les boîtes vont finir à la poubelle. Donc, je vais les mettre de côté. Mais il est vraiment beau, quoi. Donc, je vous remontre, les filles, pour celles qui viennent d'arriver. Ouais, ouais, je pense qu'il n'y a pas de souci. Alors, nickel. Pour l'éclaircissement, par contre, entre le compact et le libre, la teinte ne change pas. Non, je sais pas, Laura, parce que j'ai pas les compacts. J'ai commandé que les libres en express, puisque j'ai fait une commande pour une cliente. Et du coup, j'avais pris que le libre, mais je pense que c'est les mêmes couleurs. Bah, moi, j'ai pris pot plein pour une ressemblance taffeta. Ouais, je pense qu'il est trop clair, Caro. Alors, attends, je vais quand même vérifier, tu sais, avec le fond de teint liquide. En tout cas, pour celle qui avait le fond de teint poudre de l'année dernière en velours, pot plein, il est plus clair. Vraiment. Alors, je regarde avec le fond de teint liquide, Caro. T'as pris quoi, toi, tu m'as dit, pour taffeta? Non, je pense que le pot plein, il est trop clair. Bon, je vais te dire tout de suite. Je pense que c'est vraiment le jacquard. Hein. Mais bon. Alors, je mets le pot plein à côté du fond de teint. Ouais, non, c'est trop clair. Ah oui, non, c'est quand même plus clair. Hein. Je vais essayer de vous montrer en live, mais je pense pas qu'on va voir quelque chose. On est en train de faire nos petites... il est quand même plus clair. Je sais pas trop, en fait. Ça, c'est le fond de teint liquide taffeta. Et là, c'est le poudre libre... plein, donc il est quand même plus clair, et là c'est le poudre libre jacquard, donc vous voyez, il se ressemble quand même plus, hein. Moi j'étais partie sur le jacquard, je pense que ça va mieux. Morgane je vois pas qui c'est, ma belle, enfin, ça me dit rien comme ça. Donc non, je pense que là je vais mettre le jacquard, du coup, moi qui porte le taffeta, on va voir. Mais je pense qu'il est un tout petit peu plus foncé, mais ça va pas être choquant pour l'été, ça va pas être choquant. Donc les filles, moi je porte le fond de teint liquide taffeta, je vous l'ai montré là il y a 2 secondes sur ma main. Donc du coup je vais partir sur le jacquard, qui je pense correspondra le mieux. Ah voilà, sachant qu'il sera un tout petit peu plus foncé, mais avec l'été ça ira bien. Donc je vous montre, franchement ça n'a rien à voir, vous avez vu les filles, je vais vous remontrer quand même, parce que c'est quand même assez bluffant. Je vais vous montrer ceux de l'année dernière, donc ça c'est celui de l'année dernière, la présentation. Et je vais vous montrer le nouveau, ça n'a rien à voir. Je trouve que la texture est vraiment... Et en plus, il dure plus longtemps. Donc ça, c'est celui de l'année dernière, le Touch Minéral. Et ça, c'est le nouveau. Regardez là, c'est trop beau.
C'est la même contenance, 6 grammes. Attendez, je vérifie. Ah non, c'est pas la même contenance, les filles. Là, c'est un 6 grammes l'année dernière. Et là, c'est un 9 grammes, les filles. C'est un 9 grammes, on gagne 3 grammes quand même. Hein. Trop bien. Donc, c'est quand même plus grand, les filles. Hein. Alors, je sais pas si vous voyez, mais c'est plus grand. Coucou Nelson! Il y a 9 grammes dans celui-là, par rapport à celui-là 6. Et celui-là était valable 12 mois, celui-là est valable 18 mois. En date de péremption, enfin date d'utilisation. Donc franchement, le nouveau, je valide. Hein. Maintenant, on va voir sur le visage. Coucou Jenny, ça me donne la pêche de te voir en live ce matin. Oh! Eh, 25 jours Nelson, 25 jours, ça arrive, on se voit bientôt. Donc les filles, pour utiliser ce fond de teint, vous devez avoir... Donc là, c'est le fond de teint poudre libre que je vais utiliser aujourd'hui avec vous. Il vous devez... Donc c'est le nouveau, c'est le jacquard, puisque je porte Taffeta. Vous devez avoir soit un pinceau comme ceci, le mieux c'est celui-là, il est génial. Donc top du top, avec le pinceau correcteur de l'autre côté. Soit vous pouvez utiliser un pinceau poudre comme ceci, mais il faut que ce soit doux. Il ne faut pas que ce soit un pinceau de merdasse avec des poils rêches. Il vous faut vraiment des poils doux, ok? Donc, hop, coucou Corinne, coucou Stacy. Vous ouvrez, donc ce qui est génial, c'est qu'il y a la petite protection maintenant. Vous ouvrez le petit capuchon, hop, comme ceci, c'est génial. Franchement, c'est top. Voilà, vous pouvez même mettre, je pense, une petite éponge. Bon, après, c'est pas trop l'intérêt. Et là, ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas du produit partout. Et pour l'utiliser, vous mettez votre pinceau dessus et vous tapotez. Vous prenez la matière directement avec le tamis, d'accord? Voilà, s'il y en a trop, vous tapotez comme ceci. Et s'il n'y en a pas assez, vous rajoutez. Coucou, hello! Donc, on y va. Donc, je dépose. J'ai fait tout tomber, c'est pas grave. Je vais mettre mon tic, mon miroir devant. Et on dépose directement. Donc, on dépose et on applique en mouvement circulaire. Mouvement circulaire. Vous voyez, je pense qu'il est un tout petit peu plus foncé. Coucou, Jennifer! Mais la magie de ce fond de teint, c'est qu'il est hyper naturel. Et vous dosez l'effet. Je vais faire la moitié de visage pour qu'on voit bien la différence. Oh, il est top. Il est top. Alors, comme je vous disais, il est large. Non, mais regardez la différence, les filles. C'est un truc de malade. Vous avez vu? Oh, par rapport à là, quand j'avais mes petites rougeurs et tout. Non, mais c'est ouf. Et donc, vous dosez. Par contre, ce qui est important, vous n'en mettez pas beaucoup. Quittez à en rajouter, il n'y a pas de souci. Je vais faire la moitié de mon visage, les filles. Comme ça, vous voyez bien la différence. Et c'est assez bluffant. C'est assez bluffant. On voit vraiment la différence. C'est hyper léger, exactement. C'est hyper léger comme texture. On n'en met pas beaucoup. Et vous le travaillez en mouvement circulaire, comme ceci. Pour que bien la poudre se mette. Hop, j'en ai perdu mon pinceau tellement. Et regardez. Regardez, bah, de toute façon, on voit bien. Regardez, là, je ne suis pas maquillée. Hein. Donc, bon, vous voyez, j'ai des petites rougeurs comme tout le monde. J'ai même un petit bouton, les rougeurs sur le nez. Enfin, bon, voilà. Et regardez là. Ça a atténué vachement mes rougeurs. Ça fait un effet peau neuve. C'est top, quoi. Trop bien. Coucou, ma Lolo. Commandez ce matin. Bah, tu vas kiffer. Coucou, Nicole. Coucou, Michel. Coucou, Aurélie. Non, franchement, je valide. Alors là, c'est la couleur jacquard, les filles. Donc franchement, il est un tout petit ton un peu plus foncé que Taffeta. Parce que d'habitude, voilà, là il me donne un effet bonne mine. Mais franchement, c'est pas choquant. C'est pas choquant. Ça va ma petite filleule, Jennifer? C'est pas choquant du tout. On va faire de l'autre côté. Donc, si vous voulez un effet plus couvrant, vous rajoutez de la matière. Jusqu'à temps que vous avez l'effet désiré. Ça, c'est un fond de teint poudre libre naturel. Si vous voulez vraiment une grosse couvrance, il faut prendre le compact, les filles, que je n'ai pas encore reçu, mais que je vais recevoir. Il faut ressortir, Elodie, et revenir. Enfin, c'est pas un souci de mon côté, parce qu'on me voit. Ça doit être un souci avec ton téléphone. Ouais, elle est dingue, cette poudre. Elle est dingue. Je vous montre à la fin de mon live ce que j'ai mis. Coucou, Manono! Joyeux anniversaire! Coucou, Pascaline! Ouais, le rendu est génial. Vraiment. Pour l'été, un léger ton en plus, c'est bien avec le bronzage, tout à fait Virginie. Donc là, c'est le jacquard que j'ai appliqué en poudre libre, résultat naturel. Il est un tout petit peu plus foncé que Taffeta, mais pour l'été,
il ira super bien. Parce que moi, l'été, je ne mets pas de fond de teint liquide. Je mets le fond de teint poudre libre, il est génial. Franchement, quand vous commencez avec celui-là, pour l'été, c'est le top. Et on ne le sent pas sur la peau, il ne fait pas épais, il n'est pas gras, il est génial. C'est un super... Coucou, tonton. vraiment génial. C'est un super produit. Et là, c'est la couleur jacquard. Je vous dis, il est un tout petit peu plus foncé, mais top. Non, mais là, on va faire de l'autre côté. Ça va être flagrant, je pense. Elle est super bien. Si, par contre, si vous cherchez de la couvrance, passez tout de suite au fond de teint compact que vous appliquez directement à l'éponge. Parce que sinon, avec ça, c'est naturel. Donc, si vous avez vraiment des grosses imperfections et tout, passez plutôt sur le compact direct, poudre. Moi, j'ai du mal à choisir la nouvelle teinte. Oui, on en tombe amoureuse, exactement. On fait de l'autre côté, les filles, pour vraiment voir l'effet. Parce que là, franchement, c'est un truc de malade, quoi. Donc, toujours couleur jacquard. Je prends la quantité que je veux, directement. Merci, ma petite Véro. Je vous montrerai ce que j'ai mis. Et on applique de l'autre côté. Donc là, on voit bien la différence. Hein. J'ai fait ce côté-là avec le jacquard. Franchement, c'est un truc de dingue. Et là, j'ai pas fait, donc on va pouvoir voir. Coucou, Nancy. Merci beaucoup. Allez, on y va. Donc, on applique. Et on fait pas mouvement circulaire. Et ce fond de teint est trop bien. Non mais c'est ouf. Regardez-moi ça, les filles. Regardez-moi ça. Et franchement, il est top. Regardez. Truc de fou. Il couvre, mais il fait pas épais. Donc vous en mettez un petit peu ici. Moi j'en mets, voilà. Vous gérez la couvrance. Plus vous en mettez, plus ça couvrira. Non mais franchement, le jacquard, il donne un effet bonne mine, ça va bien. Hello Julie! Merci ma petite Véro, c'est gentil. Oh bah tu sais, ces boucles d'oreilles, alors franchement, je les avais achetées à Nose. Je sais pas si tu connais. Nose, mais pas cher du tout, quoi. J'ai dû les payer même pas 1€. Même pas 1€, quoi. Donc franchement, c'est trop bien. Trop bien. Coucou Patty! Ça va Kikou? Salut Florence! Ça va ma belle? Comment vous allez les filles? C'est trop bien. Hop. Alors, tac, je vais juste bloquer un monsieur qui m'embête. Voilà. Quand on prend sa teint en fond de teint liquide, tu penses... Je sais pas du tout, Virginie, je les ai pas sous les yeux, donc je peux vraiment pas te dire. Coucou, Blanche! Ça va, ma belle? Ça va, ma petite Patty? Comment tu vas, la forme? Merci Michel, c'est adorable. Merci beaucoup ma belle. C'est trop gentil. Alors on y va. Donc, moi j'ai pris la couleur jacquard. Et en fait, je mets selon l'effet désiré, j'en rajoute. Et j'applique tout le temps en mouvement circulaire. Donc franchement, jacquard va bien. Je vous dis, il est un tout petit peu plus foncé que taffeta, mais pour l'été, c'est parfait. Et regardez les filles. Non mais franchement, ça n'a rien à voir. J'aurais dû faire un avant après, j'ai été très bête. Bisous ma poulette. Bah ça va bien Blanche. Ça va bien, ça va bien. Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé une question. En fond de teint liquide, je mets chiffon. Je sais pas ma belle, j'ai pas les couleurs sous les yeux Sandrine. J'ai pas la couleur sous les yeux. Merci Blanche. En tout cas, pour taffeta, jacquard il va bien, il est un tout petit peu plus foncé. Et pour velours, peau plein, il va bien, mais il est un tout petit peu plus clair. Regardez, truc de fou. On voit bien là la couvrance. Hein. Regardez au début de mon live, quand j'aurai coupé, vous pourrez regarder au début de mon live le teint que j'avais. Et là, celui que j'ai, c'est top. Je suis trop contente. Coucou Déborah. Salut Lily. Ça va ma cousine? D'ailleurs, tu m'as pas dit pour ta commande si ça allait du coup. Tu m'as pas dit du tout. Je voulais savoir. Coucou Madèle, coucou Christelle. Ah bah Christelle, tu tombes bien, toi qui as commandé le fond de teint. J'ai reçu le nouveau fond de teint. Donc vous, tu regarderas en replay. Donc ils sont trop bien. Trop bien. Trop bien, trop bien. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais mettre un petit peu de poudre bronzante pour donner bonne mine. Donc ça, moi je mets la Malibu. Trop bien. Trop bien la Malibu. J'en mets un tout petit peu ici, vous voyez, très léger. Hein.
pour mettre beaucoup. Parce que là, j'ai déjà bonne mine. Hein. La jacquard, elle est bien parce que franchement, elle donne vraiment bonne mine. Faut pas que ça fasse trop, mais si vous mettez ta feta, ça va bien. Voilà. Et je vais mettre mon petit rouge à lèvres. Comment ça va, les filles? Tac, j'enlève ma petite pince. Alors, il y a plusieurs personnes. Donc là, j'ai mis... Je vous montre, je vous remontre. Fond de teint poudre libre, le nouveau en jacquard. Qui a un effet bonne mine, qui est assez sympa. Et je l'ai... Donc c'est le nouveau que j'ai reçu ce matin. Ensuite, sur les yeux, j'ai mis une palette. Oh, merci, Madèle. Aujourd'hui, j'ai mis la palette numéro 4. Regardez, donc j'ai mis ce fard-là à l'intérieur de l'œil. J'ai mis ces deux fards-là sur l'extérieur de l'œil. Avec le mascara épique, bien évidemment. Nouvelle palette. Enfin, pas nouvelle palette, palette numéro 4. Et là, ce que je vais faire, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent pour le duet, vous savez, en double avec le crayon, le contour et le rouge à lèvres intégré que je porte souvent parce que je l'adore, mais qui est en rupture, malheureusement. Donc, je vais vous montrer qu'on peut faire à peu près le même effet avec un crayon pour les yeux, que j'adore aussi, et un rouge à lèvres. Merci, ma petite Fanny, c'est gentil. Donc, je vais utiliser le crayon Purposeful. C'est un crayon pour les yeux que vous pouvez utiliser en contour des lèvres. Je vais l'utiliser comme ceci. Coucou, Marie! Donc, c'est Purposeful que je vais mettre sur les lèvres. Vous allez voir, c'est trop beau. Donc, je le mets en contour des lèvres. Donc, on est d'accord, c'est un contour des yeux. Hein. Mais tout ce qui est produit yeux ou lèvres, vous pouvez le mettre vice-versa. Coucou Jenny, je viens d'arriver au boulot replay. Pas de souci, tu verras, c'est la nouvelle poudre que tu as commandée. Voilà, on n'appuie pas, on passe plusieurs fois. Moi aussi, je l'adore, Fanny, c'est un de mes crayons préférés. Et du coup, c'est un crayon que j'utilise sur les yeux et sur les lèvres. Coucou Sylvia. Et tiens, super bien. J'ai fait un caca boudin, les filles. Bon, ça se voit pas. Un petit peu. Alors, crayon Purposeful pour les yeux que je mets en contour des lèvres. Et regardez ce que je vais mettre. Je vais mettre un rouge à lèvres. Donc, ce sont les rouges à lèvres hydratants de chez Unique qui sont top si vous avez les lèvres sèches ou qui ont tendance à sécher et que vous voulez un rouge à lèvres qui tient quand même bien, parce qu'il tient bien une matinée, ou on en remet après manger, mais qui hydrate bien les lèvres, ça c'est top. Et je le mets à l'intérieur. Donc là, c'est un peu corail et il est magnifique. Je l'adore. Il s'appelle Upsell. Upsell, il est trop beau. Vous passez légèrement sur le contour. Et regardez comme c'est joli. C'est sympa, ça fait... Franchement, j'adore. L'ensemble, j'adore. Coucou Ayette, coucou Aurélie, salut Sylvia, vous allez bien les filles? Donc c'est pour vous montrer que même sans duet, vous pouvez faire un peu l'effet désiré. Donc là j'ai mis le crayon Purposeful, c'est un crayon pour les yeux que je mets en contour des lèvres. Il est beau hein? Et le rouge à lèvres Upsell, c'est un corail. Et du coup ça hydrate, enfin moi j'adore parce que ça hydrate super bien les lèvres et il tient quand même très bien. Et c'est un corail que je mets et il est super beau et ça c'est le Upsell. Coucou Emel! Merci Vanessa, c'est gentil ma belle. C'est trop gentil. Mais c'est parce que j'ai des très bons produits de maquillage qui m'aident énormément. Oh, c'est gentil. Donc voilà, donc crayon Purposeful et rouge à lèvres Upsell. Vous voyez les filles, c'est pas compliqué. Hein. Et vous avez le même effet que duet. Mais les duets, effectivement, on prie pour qu'ils reviennent. Je suis d'accord avec vous parce que j'adore ces produits et vraiment j'ai hâte. Un petit coup de blush et puis c'est tout bon après, hein, j'ai terminé. Mais je suis super contente de la nouveauté, quoi. Franchement, c'est top. Non, j'ai mis ces blushs, tes blushs, c'est pas ici.
Il est où mon blush? Il est là. Hop. Voilà, il est là. Ah, j'ai pas maquillé mes yeux en live, Sylvia. Merci, ma petite Carrie, t'es trop mignonne. Non, j'ai pas fait mon maquillage en live. J'ai fait que le teint en live, puisque c'est nouveau fond de teint. Mais j'ai utilisé cette palette-là. J'ai mis ce fard-là intérieur de l'œil et j'ai mis ces deux-là sur l'extérieur. Coucou, Sophie! C'est trop gentil, les filles. Coucou, Sophie. Alors, on y va. Là, donc, j'ai mis le fond de teint, le nouveau fond de teint poudre libre en couleur jacquard et j'adore. Trop bien. Très naturel. Il camoufle ce qu'il faut et il n'est pas épais du tout. Coucou Sabrina, coucou Elodie. Donc, n'hésitez pas si vous voulez ce nouveau fond de teint parce que de toute façon, ça va partir à une vitesse comme d'habitude puisque c'est un produit qui était très attendu. Vous avez mon site internet www.uniquebygenny.fr qui est épinglé juste là en commentaire ou www.uniquebygenny.fr et vous pouvez aller dans, vous allez dans acheter visage et vous avez fond de teint poudre libre. Il est génial. Vous avez la livraison gratuite, les filles, en ce moment. Par contre, ça ne va pas durer encore longtemps, puisque là, on arrive bientôt au million de commandes. Je vais prendre le blush Sirène. Je le kiffe. C'est un métallique. Et je le mets. Celui-là, il est trop beau, regardez. Vous voyez, il fait un petit effet métallique, j'adore. Par rapport à l'autre. Vous voyez, rien à voir. Je l'adore, celui-là aussi. C'est un blush édition limitée. Et j'en mets un petit peu sur le nez pour faire une petite lumière. Vous voyez, ça change tout. Hein. Voilà. Bah écoutez, c'est pas mal du tout ça. Je suis très contente de ce produit, vraiment. Donc nouveau fond de teint, poudre libre. Je vais recevoir les compacts là dans pas longtemps. Franchement top. Je valide. Je valide. Regardez, je vous remontre comme ils sont beaux. Donc la boîte fond de teint, poudre libre. Et regardez les... par rapport à ceux de l'année dernière. Rien à voir. Bon, celui-là, il a un peu de vécu, forcément, mais rien à voir. Et l'intérieur est vraiment top, quoi. Franchement, regardez. Et la petite protection. Et il y en a beaucoup plus dedans que dans l'ancien. Petite protection est top. Je valide. C'est un super produit. J'adore. Je vais encore mettre ça tout l'été. Fond de teint poudre libre pour l'été, c'est génial. Bon, ben voilà. Je vous ai montré comme promis. Merci, Vanessa. C'est cool. N'hésitez pas à partager ce live parce que je pense que ça peut intéresser pas mal de personnes de votre entourage qui ne portent pas le fond de teint l'été parce que c'est trop épais. Celui-là, top du top pour l'été, c'est l'idéal. Vraiment, il dépose ce qu'il faut. Vous voyez, on le voit de toute façon. Hein. Ça fait pas du tout épais, c'est très naturel. Et ça camoufle très bien. Et vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup, quoi. Donc c'est ça qui est bien, c'est hyper économique. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec moi ce matin. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, salut les filles. Bisous, bisous.